Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission Zéro Déchet. Alors aujourd'hui, on va faire un atelier couture. On va apprendre à réaliser un masque anti-projection. Donc pour cela, rien de plus simple, on va directement se rendre dans les ateliers de chez Vestali à Liévin où on va rencontrer Geneviève qui va nous expliquer les étapes de réalisation. Pour un masque, nous avons coupé deux carrés de 20 cm. Et deux élastiques de 35 cm. Nous allons venir superposer les deux morceaux ensemble, envers sur envers, et nous allons partir à la surfileuse. On vient les surfiler tout le tour. Ici, nous allons partir à la presse. Pliez le tissu en deux. Repassez. Pliez 1 cm le haut. Pressez. On va faire de même de l'autre côté. Venir plier jusqu'au milieu en prenant le repère du surfil, juste là, à la pliure. Voilà. Presser. En faire de même de l'autre côté. Le surfil juste à la pliure. Et presser. Insérez l'élastique à 1 cm à l'intérieur. Piquez, faites un bon point d'arrêt. Piquez tout le long. Prendre le deuxième élastique, l'insérer de 1 cm environ. Faire un point d'arrêt. Voilà, premier côté terminé. On complète. On fait la même chose de l'autre côté, en faisant bien attention que l'élastique soit bien plat, qu'il ne tourne pas. Point d'arrêt. Je clique. Je vais chercher l'autre élastique. Un bon point d'arrêt. On coupe ses fils. Et voilà, le masque est terminé. Merci Geneviève pour ce tuto. Par contre, si vous ne disposez pas de surfileuse chez vous, vous pouvez également effectuer un rebord classique avec votre machine à coudre. Donc j'insiste également sur le fait que ce masque, même s'il respecte les recommandations, ne dispense pas de ne pas respecter les gestes barrières et les gestes de confinement. Donc restez chez vous et soyez prudents, prenez soin de vous.